Yahoo, Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême joie pour la présentation d'un nouveau yaoi. Et aujourd'hui, on va parler de I May Love You. Donc, le manga I May Love You est un one-shot des éditions Boss Love dans leur collection IDP. Nous sommes sur un manga qui date de 2012 au Japon et de juillet 2014 en France. La série de Noriko Akuto, et c'est une mangaka qui a pas mal d'œuvres disponibles en France, et je vais toutes te les représenter là dans les jours qui suivent, ouais, dans les semaines qui suivent, voilà, donc jusqu'à ce qu'on ait les nouveautés de Boss Love du mois de mars. En tout cas, donc je vais toutes te représenter, et en ce qui concerne ce manga, nous sommes sur une œuvre âge conseillé aux 15 ans et plus, et c'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne le manga. On est d'accord en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais très clairement que la qualité des couvertures colle parfaitement au scénario. Déjà, pour ce qui est la première image, on va voir donc les deux personnages clés. Et alors, eux deux sont voisins et lui, c'est le sex-friend de lui. Donc lui, il sert strictement à rien, il sert juste à démarrer l'histoire. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on les voit en fait dans un escalier. Et comme ils sont voisins, ça fait un peu comme si il avait croisé son voisin, tu vois, sur le point de lui de rentrer chez lui et lui de partir à son boulot. Le chat qui est important dans la série. Et c'est tout. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Ça colle parfaitement au scénario. J'aime bien. Les petits points, ça, ouais, ça permet de combler un petit peu, j'ai envie de te dire, l'espace très blanc. Donc, je dirais rien pour les petits points. D'ailleurs, on les a aussi ici. Donc, ma foi, voilà. Et là, voilà, on voit très bien le couple. Le célibataire avec son chat. Et voilà. Ensuite, qu'on enlève. Si j'y arrive. Parce qu'avec mes ongles, en plus, j'ai eu l'idée de mettre des faux ongles. Faut vraiment que j'arrête ça quand je présente des mangas. Pour ce qui est voilà, de l'avant, on a le couple de base. En plus gros. Hein, c'est ça, en fait, hein, très clairement. Et à l'arrière, on a ce passage-là. Donc, c'est. Ça qui a été coupé et qui est refait, donc ça je trouve ça plutôt sympa, ma foi, voilà. Ensuite qu'on ouvre, par contre encore page recyclée, voilà. Et par contre ce que j'aime bien c'était, je sais pas si tu as vu, mais là on a donc une bulle pour le titre, voilà. Et on regarde le sommaire, c'est la même bulle, donc ça je trouve ça cool. Et après on attaque directement le manga. Pour ce qui est des pages entre chaque chapitre, je vais te montrer ça, elles sont plutôt pas mal. Ici. Et voici la deuxième. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais très clairement que la qualité de dessin n'est pas du tout dégueu par rapport aux années justement 2012, 2013, tout ça, c'était quand même une qualité de dessin nettement supérieure à les années 2005, etc. Je dis ça parce que je viens de filmer un manga qui s'appelle Girlfriend des éditions Delcourt que je te présente dans le mois de mars. Et donc, en ce qui concerne ce manga, la qualité de dessin est vraiment très agréable et donc en voici ma note. Pour ce qui est du manga, à savoir qu'on n'est pas du tout sur une seule et unique histoire, mais nous en avons trois. Une principale qui va faire à peu près 80 pages, je voudrais pas te dire de bêtises au niveau du nombre de pages. On a 113 pages pour la première histoire, et après du coup, la page 113 à 145 c'est une histoire, et la page 145 à 161 c'est une des deuxièmes histoires. Donc tu vois quand même 113 c'est déjà pas mal, ça se faisait beaucoup à l'époque, je tiens à le préciser, donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Comme tu peux le voir, on a un couple et on a un célibataire. Lui, celui qui est en orange, est le voisin de celui-ci. Et lui, c'est son copain, mais voilà. Et donc, ils habitent, tu sais, dans les appartements juste à côté. Et celui-ci entend à chaque fois les deux autres le faire. Et en tout début, on va les voir sortir. Donc, celui en orange et l'autre, le célibataire. Et il va lui dire bonjour, mais l'autre se taille. Et point barre, parce qu'il n'aime pas du tout... Celui qui est en orange n'aime pas du tout... parler aux gens, il est voilà au strict minimum, etc. Et en fait, notre petit célibataire va essayer au fur et à mesure de créer un lien avec lui. Et le lien va s'installer petit à petit, ils vont commencer à être amis, etc. Il ne cherche pas du tout, hein, il n'est pas de base, enfin on ne sait pas s'il est homo ou pas, mais de base il ne cherche pas du tout ce genre de relation, il veut juste être gentil, c'est son voisin, ils sont à la même école, etc. Il veut juste créer un lien. Et l'autre, du coup, est assez distant.
Et au fur et à mesure, le lien va se créer. À savoir que ces deux-là, en fait, on le sait dès le départ, ils sont sex friends. Donc rien de bien officiel, donc forcément, bah, il peut très bien se mettre en couple avec lui, vu qu'il peut très bien avoir une vraie relation, et lui c'était juste son sex friend, donc tu peux très bien le jeter, voilà. Et c'est ce qui va se passer dans la série, c'est une histoire plutôt mignonne, attendrissante. Après, honnêtement, c'est une relecture, et honnêtement, j'ai trouvé ça sympa, mais bon, c'est pas suffisamment développé, parce qu'honnêtement, je vais te dire, on développe l'histoire à ils se mettent enfin en couple, relation charnelle, fin. Et là tu développes quoi en fait? Parce que tu développes le début, tu développes pas beaucoup parce que du coup comme je te l'ai expliqué, on a, je voudrais pas dire de bêtises sur le nombre de pages, 113 pages, enfin plutôt 112 pages, voilà, on sait qu'ils s'aiment, on sait qu'ils sont mis ensemble, mais fin. Donc c'est un petit peu dommage en ce qui concerne cette histoire. Pour ce qui est de la deuxième, on est sur un couple déjà existant et en fait il y en a un qui, donc c'est le dominé, il est en train de remarquer que ses tétons ont grossi à force d'être stimulés, etc. Ils sont un peu plus voyants. Et donc il ne veut plus aller à la plage avec ses amis, ils y vont tous les ans, alors que là il n'a plus trop envie d'y aller, parce que tu comprends, on va voir mes tétons, oh là là, on va voir qu'ils ont grossi, c'est gênant, blablabla. Finalement il va, son chéri, va arriver à le convaincre d'aller à la plage, et il, en fait il va porter tout simplement un t-shirt, et ils vont aller tout simplement, oui quand je suis stressée je dis beaucoup tout simplement, j'en ai marre. Donc ils vont aller à l'écart et ils vont profiter un petit peu de la plage tous les deux. Voilà, il se passe pas vraiment grand chose, c'est sur un chapitre donc tu te doutes que voilà. C'est assez rapide, il n'y a pas grand chose à développer et c'est tout. Pour ce qui est de la troisième histoire, je ne vais pas te la raconter, ça te permettra de la découvrir si jamais tu lis ce manga. Et à savoir que l'histoire en question, je ne l'ai jamais aimée, je ne l'ai pas aimée la première fois, je ne l'ai pas aimée cette deuxième fois. Pour ce qui est de celle-ci, celle de la plage, franchement, bah, un chapitre, j'ai envie de te dire, je ne supporte plus les histoires en un chapitre. Ça ne développe rien et ça t'apporte absolument rien. Parce que là, à part, oh là là, je les mets haut mes tétons, hein. Mais oh là là, j'ai les tétons qui pointent, oh là là, ils sont un peu gros, ils ont un petit peu grossi, oh là là, mes copains vont voir et tout. Oui, bah écoute, c'est la nature, hein, donc voilà, et à part ça, bah, t'apprends rien en fait, t'apprends rien du tout. Donc, et tu vois rien, parce que tu vois juste la scène, la veille quasiment, enfin pas la veille, mais quelques jours avant, du « je veux plus aller à la plage parce que j'ai les tétons qu'on grossit », la scène de plage où il se passe pas grand-chose, et finale. Donc, voilà, je peux pas vraiment juger ça, donc ma note ici va... Enfin, je sais même pas si je vais te faire une note, parce que même pour la première histoire, est-ce qu'on peut noter ça? Voilà. Bah, je vais pas te mettre de notes, hein, très clairement, parce que je ne vois pas ce que je pourrais t'en dire, parce que 113 pages, on n'a pas beaucoup développé, hein, très clairement, mais c'est un petit peu dommage, et c'est ça aussi que je reprochais à la partie IDP, c'était que souvent c'était des histoires comme ça, des volumes, où on n'avait pas tout, on n'avait pas l'intégralité, c'est ça, c'était bien dommage, mais bon, toujours est-il, je suis quand même très contente de l'avoir relu, ça m'a fait plaisir, et puis voilà, c'est le plus important. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente et on partage. On n'hésite pas à s'abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à aller voir les deux précédentes vidéos des éditions Bozio que je te mets ici, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Bye!